Apprendre par la rencontre, c'est le principe des masterclass. Comme Olivier, contrebassiste aguerri, les élèves de l'école de musique de Blanza se souviendront longtemps de cet échange avec Essiette Okon-Essiette. On essaie de capter le petit plus et essayer de se l'approprier. Et puis, c'est un peu un travail de collectionneur, si vous voulez. Ben voilà. Et là, évidemment, il a plein de, il a une superbe collection. Abdoulaye Ibrahim, Art Blackie et les Jazz Messengers ou Billy Cobham, le parcours musical d'Essiette Okon-Essiette est à lui seul une mini-encyclopédie du jazz des années 80 à nos jours. Pourtant, il reste en quête d'échanges curieux de l'instant à venir. Ils étaient au Zénith cet été et ils étaient hier à la Muscade de Blanza. De 4000 spectateurs, ils sont passés à quelques centaines, mais peu importe pour les chœurs de Durtol et de Blanza. L'essentiel était de chanter, une œuvre qu'ils travaillent depuis un an, Dogora d'Étienne Perruchon. À Blanza, les instruments ont été réduits et il n'y a plus de danseurs, mais la foi, si ce n'est l'œuvre, est la même. Ultime répétition avant la représentation. Bon, la pression est toujours la même. On veut faire honneur, donc voilà. Après le Zénith, oui, mais bon. C'est vrai que ça a été difficile au Zénith parce qu'on ne voyait personne. Et les gens ne nous voyaient pas forcément non plus, ils voyaient des petites fourmis, quoi. Et là, c'est vrai que chaque personne, on peut regarder chaque personne et avoir le plaisir d'échanger, de tout donner. Au-delà de la capitale, porter l'œuvre et son message de paix dans de plus petites communes du Puy-de-Dôme. Une envie de ces choristes qui désormais parlent le dogorien couramment. Sure.